C'était une décision que j'avais prise il y a longtemps, il y a des années. Je devais refaire le voyage en bateau de Palerme à Tunis, celui que Rosaria San Marco, jeune veuve âgée d'une trentaine d'années, avait décidé de faire avec ses 7 enfants. Un voyage sans retour. Le bateau glisse vers la sortie du port. Devant moi, en angle, le San Bartolomeo à gauche et le Mont Pellegrino à droite. Une mer d'huile, un temps magnifique. Puis le bateau vire complètement vers l'ouest. Du Mont Gerbino au Capo Gallo, une baie incroyablement belle. Derrière moi, la Conque d'Or, la bien nommée, oui. Mais toi, Rosaria, tu n'as rien regardé. Car il n'y a rien à voir là que du malheur, de l'oppression. Tu regardes devant cet inconnu que tu affrontes sans peur. La peur, justement, tu l'as laissée derrière toi. C'est fini. Tu n'auras plus jamais peur. De rien ni de personne. Les enfants savent ce qui est en jeu. Les grands participent de cette décision totale et définitive. Les petits sentent confusément que se joue quelque chose de très fort pour que la maman soit à ce point concentrée. Pas un sourire, pas une larme. Les mâchoires serrées. Le bateau passe devant le cimetière des Rotoli où fut enterré Luigi. J'avais remonté jusque-là la quête des origines et j'avais médité longuement sur la fosse commune où il repose désormais. Chaque fois que je viens en bateau, je le salue. Et encore lors du retour. Mais toi, Rosaria, tu n'as pas voulu regarder une dernière fois derrière toi. Il n'y a pas de place dans ton cœur pour la mélancolie des adieux. Tes yeux sont secs. Toute ton énergie est concentrée sur la réalisation de chaque étape du grand voyage. Aujourd'hui, c'est le bateau vers Tunis. Point. Il a fallu économiser, vendre le peu qu'on avait pour payer ses billets de passage sur le pont. Demain, il faudra vite que les grands trouvent du travail pour commencer à économiser à nouveau le prix du passage vers Marseille. La deuxième étape, dans 2 ou 3 ans, dès qu'on pourra. La dernière étape, avant la grande traversée vers l'América. Marseille, d'où ton fils aîné Giovanni partira seul pour l'América, avec tout ce qui nous restera d'économie. En reconnaissance, comme une tête de pont, afin d'y gagner de quoi payer le voyage du reste de la famille. Elle s'est fait tout expliquer encore et encore. Elle a compté, recompté. Elle a bien expliqué aux enfants ce qui allait se passer et le rôle de chacun dans cette grande aventure. Beaucoup autour d'elle ont douté de sa capacité à mener à bien, sans son mari, cette entreprise exceptionnelle. Elle s'en est toujours moquée, indifférente aux avis divers qui n'ont pas manqué de s'exprimer et de critiquer sa folie. Tous ces grands donneurs de leçons, ce n'est pas eux qui vont offrir à ses enfants la perspective d'une vie meilleure. Tous sont là pour prêcher la résignation et la soumission à l'ordre éternel des choses. Elle ne leur répond même pas. Aujourd'hui, tu es concentré sur les petits qui doivent rester à tes côtés. Chacun est assis sur un ballot de vêtements et de diverses affaires ménagères. Surtout ne pas se perdre. Restez tous ensemble. C'est le sens même de cette aventure. Moi, j'ai été élevé dans l'ignorance de mon histoire sicilienne. Je n'en savais rien, rien ne m'avait été dit. Et un jour, j'ai reçu une lettre d'une personne que je ne connaissais pas, qui se présentait comme une parente, et qui me transmettait un document, parce qu'elle, elle allait mourir, elle était vieille, et elle pensait que ce document, c'était bien que ce soit moi qui l'ai entre mes mains. Et ce document, c'était l'acte d'arrivée de mon arrière-grand-père dans le San Bartolomeo en 1832. Donc tout à coup, ça voulait dire qu'une histoire avait commencé là, avec une énigme, un enfant trouvé. Et en même temps, ça voulait dire que cet enfant s'était marié, avait eu des enfants, qu'il y avait une migration sur la France, puisque moi j'étais français. Donc j'ignorais tout. Sur le coup, ça a été trop difficile pour moi d'accepter cette nouvelle et je l'ai bien enregistré, mais je l'ai mis de côté, je ne l'ai pas utilisé. C'était trop lourd de découvrir qu'il y avait toute une histoire familiale que j'ignorais.
puisque mon père m'avait dit qu'il était fils unique et que voilà, l'histoire s'arrêtait là. Et donc, plusieurs années après, quand j'ai dû traverser des épreuves de la vie, de manière assez, assez étonnante et absolument pas préparée, j'ai ressenti le besoin de revenir à Palerme et de faire les recherches comme une sorte de thérapie personnelle pour pouvoir me resituer dans un arbre généalogique qui était beaucoup plus grand que celui que je connaissais et qui me parlait d'autres valeurs que celles qu'on m'avait transmises. Donc je suis venu ici, mais je ne savais rien. Je ne suis pas... La généalogie, c'est un savoir que je n'ai pas, les archives également. Donc j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis plusieurs années à je ne parlais pas l'italien du tout. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça participait de la thérapie. Ça avait besoin de plusieurs années. Et finalement, j'ai retrouvé à la fois l'état civil de tout le monde. C'était assez prodigieux qui est gardé là. Ça m'a pris du temps, mais j'ai retrouvé tout le monde. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, leurs 7 enfants. Et puis j'ai longtemps cherché le lieu du San Bartolomeo. Donc il y avait beaucoup de livres d'histoire qui parlaient du San Bartolomeo, mais sans dire que c'était l'Institut des Enfants Trouvés. Donc il m'a fallu beaucoup de temps et de hasard pour qu'un jour je fasse le lien. Le San Bartolomeo, c'est l'Institut des Enfants Trouvés. Et le San Bartolomeo, il existe encore, il est là. Il a été en effet bombardé. On le voit d'ailleurs, il ne reste que la belle façade sur la mer. Tout le reste a été rasé en mai 43, au moment du grand bombardement des Américains. Et quand j'ai retrouvé ce lieu, j'avais retrouvé à la fois toutes les traces à l'état civil de la famille. Et quand j'ai retrouvé ce lieu, j'ai touché les pierres, j'ai senti que ma quête était terminée. Elle pouvait s'arrêter. Voilà, j'avais l'essentiel. Quelque chose m'avait été donné, j'avais retrouvé dans son intégralité, et je pouvais repartir de là-bas. Je crois qu'il aura fallu beaucoup de courage à Luigi et Rosaria, d'abord pour se rencontrer, pour accepter de bâtir une vie ensemble, parce que lui, il était un enfant déposé, juste là derrière, une nuit de juin 1832, donc avec une énigme sur sa tête. Et elle, une famille de gens qui cultivaient des fruits et légumes là-bas, sur les flancs du Mont Pellegrino, c'était des potagers. Et l'époque était extrêmement troublée, puisque c'était à la fois la fin du royaume des Bourbons, qui a été particulièrement abominable quand même. C'était les pires d'Europe peut-être, hein, les plus arriérés, vraiment. Pour moi c'est important, parce que je marche là où ils ont marché, je vois ce qu'ils ont vu. Ils ont vu toutes les grandes révolutions de l'époque, de 48, de 56, de 60, et toujours se terminer dans des massacres. Donc ce sont des gens qui savent ça dans leur chair. Et en même temps, ils ont cette rage de fonder une famille. Je trouve ça assez admirable de la part d'un enfant déposé seul, de reconstituer une famille, une grande famille. Et en même temps, ils ont compris, et c'est là le point de rupture auquel je dois tout, moi. Tout mon destin va se jouer là. C'est qu'à un moment donné, ce qui est insupportable, on ne doit pas le supporter. Dans ce projet de départ qu'a mené à bien Rosaria, car la mort de Luigi prématurée, il est mort à 45 ans, aurait pu l'anéantir. Donc le courage de cette femme, en plus, apparaît là complet. C'est-à-dire que c'est elle qui va mener à bien le projet du couple, au-delà de la mort de Luigi, ou plutôt, c'est son départ qui va donner le sens de la mort de Luigi. Il faut des personnes qui ont une colère, en fait. Hein. Je veux dire, ils ne sont plus accessibles à la raison, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et là se joue, au moment de la mort de mon arrière-grand-père, une femme seule avec 7 enfants. Je ne connais pas beaucoup d'exemples, hein, où c'est elle qui va assumer le bout de l'aventure. Moi, je pense que le courage de se tenir sur ses jambes, de pouvoir rompre avec tout un environnement politique, institutionnel, économique, social, et de considérer que l'avenir des enfants, il est nécessairement ailleurs. On va payer le prix fort, on va s'organiser, on va serrer les dents, et on va y arriver.
Forcément, quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée, où des millions de gens font le voyage inverse, mon cœur est serré. Je pense à eux. Je trouve que les gens qui sont capables de considérer que la misère n'est pas quelque chose de normal, qu'on n'a pas à subir sans arrêt, qu'on n'est pas des sujets du roi, de cette conviction que l'individu doit se prendre en charge lui-même, ça, j'ai retenu une grande leçon. Et puis aussi, une dernière leçon que j'ai retenue, c'est qu'il faut toujours se méfier des institutions qui sont par nature dangereuses et mensongères. À partir du moment où la décision est prise de partir, l'étape évidente, c'est la Tunisie. La migration sicilienne en Tunisie à la fin du 19e siècle est supérieure à la migration française, qui viendra après. Donc c'est un lieu de migration normale pour les Siciliens, qui depuis longtemps ont l'habitude de s'y installer, alors que c'est un pays indépendant. Il n'y a pas de problème particulier, il n'y a pas de papier, pas de contrôle, comme on les connaîtrait aujourd'hui. Le port ancien, c'est la Petite Sicile. La Goulette, c'est tout le quartier de la Petite Sicile. Ils s'installent là, ce sont beaucoup de pauvres gens, de gens qui travaillent de la pêche, ou qui travaillent sur le port, ou qui font des ménages. Dans l'histoire que je reconstitue de mon arrière-grand-mère, je vois bien la scène. Cette jeune femme avec ses 7 enfants, les grands peuvent travailler sur le port, et elle-même, avec les filles, elle doit faire des ménages chez les Arabes. Ça me plaît de voir ce petit jeu dans le temps, de l'espace, où ce sont les Européens qui descendent et qui font les travaux ménagers pour la bourgeoisie arabe. Mais je pense qu'à ce moment-là, la situation bascule. C'est le moment, là, vers les années 1880, la situation bascule, c'est-à-dire qu'il va y avoir le protectorat français. C'est-à-dire que ce pays n'est plus indépendant. Et je me dis dans ma tête, quand j'étudie le caractère de Rosaria, que ça, c'est quelque chose qu'elle a déjà connu et qu'elle ne veut plus connaître. Elle n'est pas partie sujet du roi en Sicile pour aller dominer des Arabes dans leur propre pays. Elle sait que là, il y a quelque chose qui ne va pas. D'autant plus que les Français s'installent, imposent leur domination, et il y a un racisme anti-sicilien. C'est-à-dire que pendant tout le temps du protectorat français, les Siciliens sont considérés comme potentiellement dangereux. Il faut savoir qu'il y a quand même un conflit potentiel entre l'Italie et la France, une guerre potentielle, on en parle. Donc ces Siciliens, de quel côté ils seront le jour où le conflit viendra, ils ne sont pas sûrs. Et là, il y a toute une littérature formidable qu'on trouve aujourd'hui sur le fait que ce sont des voleurs, des brigands, des assassins. Il faut voir comment les gens sont traités. Par ailleurs, les emplois que crée l'administration française sont réservés aux Français. Donc pendant tout le temps du protectorat français, qui va quand même durer jusqu'au milieu du XXe siècle, il y aura une pression permanente pour faire plier cette communauté sicilienne, qu'elle abandonne sa langue et qu'elle abandonne sa nationalité. Il y a une pression permanente pour prendre la nationalité française. Sinon, vous n'êtes pas fiable. Et d'ailleurs, les emplois ne sont pas autorisés, les emplois publics vous sont interdits, mais même les emplois privés, avocats, notaires, etc. Des gens du pays dominés par une puissance étrangère, c'est presque un résumé de la situation géopolitique de la Sicile depuis des siècles. Donc dans sa rupture, ça va jusque-là. Et il va falloir payer le bateau pour aller jusqu'à Marseille. Pourquoi Marseille? Parce que les grands flux maritimes de migration vers l'Amérique sont soit à Marseille, soit le plus souvent Le Havre, Hambourg, Liverpool. Mais Le Havre, Hambourg, Liverpool, c'est loin. Donc elle ne peut pas payer ce voyage. Donc elle va partir de Marseille, où elle sait, on lui a dit, que le prix du bateau est moins cher que de Sicile. Mais quand même, ça va durer 2-3 ans. Et pendant ce temps-là, il va y avoir une de ses filles va se marier sur place. Un Sicilien, bien sûr. Et à Marseille, elle est extrêmement pauvre. Donc à peine arrivée, il faut à nouveau économiser. Donc les garçons aînés vont travailler sur le port. C'est quand même un moment où il n'y a pas de chômage. Donc dans les comparaisons sur les phénomènes migratoires contemporains, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas non plus de sécurité sociale, il n'y a pas d'allocation familiale. La vie est très, très dure. Mais il n'y a pas de chômage.
Donc, un jeune garçon qui arrive, il travaille sur le port tout de suite. Donc, on économise, tout le monde économise. Et le fils aîné va partir pour l'Amérique. On le met sur le bateau. Et on attend de ses nouvelles parce qu'il va nous envoyer de l'argent pour payer le voyage pour tous les autres. Et cette attente va durer toujours puisqu'on n'aura plus de nouvelles de lui, il disparaît. Est-ce qu'il est mort pendant le voyage? Est-ce qu'il a été assassiné à son arrivée dans les batailles à coups de couteau parce que le racisme anti-italien est énorme? Est-ce qu'il a été écrasé par la difficulté de la tâche et qu'il a renoncé à... Il a coupé les liens avec sa famille? Ça, je ne sais pas. Peut-être un jour, je ferai cette recherche-là. C'est que la migration, c'est quelque chose de très difficile. C'est une rupture. Vous ne savez pas vraiment où vous allez, vous ne savez pas comment ça va se passer. Mais il n'y a pas d'espoir de retour, il n'y a pas d'idée de retour. Donc, c'est brutal. Et dans cette rupture définitive et totale, on ferme les portes du passé. Dans la rupture, il y a aussi l'amnésie. C'est-à-dire que cette histoire, on ne la transmet pas. De toute façon, c'est que du malheur. Il a fallu 3 générations pour que moi, je vienne ici, en touriste, d'abord, sans comprendre que ça allait m'emporter complètement comme une thérapie individuelle. Et je crois que le fait de perdre sa mémoire, c'est le prix aussi à payer à l'intégration dans le pays d'accueil. Donc si on pouvait tout effacer de son passé, c'est mieux. Donc je pense que le fait de perdre sa mémoire, d'effacer le passé, de tout ce qui peut gêner, ça participe à la fois de l'acte fondateur de l'exil et de la rupture qu'il implique, mais aussi participe de l'intégration dans un pays nouveau où on veut apparaître lisse, au moins devant les institutions. Mon grand-père s'est donc installé à Marseille. Il a épousé une Française. Je trouve que déjà, il fallait beaucoup d'amour pour ça, de la part des deux. Parce qu'épouser quelqu'un qui s'appelle San Marco au début du XXe siècle, c'est comme épouser un arabe aujourd'hui. Hein. C'est pas bien. Il y a une transgression de la part de cette jeune femme à épouser ce beau Sicilien. Et il se trouve que cette jeune femme va mourir, très jeune, quand mon père a 2 ans. Et donc il est élevé par ses tantes maternelles. Donc là, c'est la famille française d'origine qui reprend le dessus et qui n'aura de cesse de gommer encore plus l'histoire sicilienne. Donc on sent que là, ils ont même essayé de changer son nom. San Marco, ça fait étranger. Eux, ils s'appellent Sabatier, ça, c'est les vrais Français. Et heureusement, la loi française ne le permet pas. Mais quand même, ça a beaucoup traumatisé mon père. Et ça l'a beaucoup marqué d'être tout le temps considéré comme... au fond, pas complètement français à cause de ce nom. Et je crois que quand on regarde les phénomènes migratoires contemporains, les choses ne sont pas les mêmes, mais en même temps, l'être humain, il est le même. Il n'y a pas de différence en soi entre un clandestin et quelqu'un qui migre légalement. C'est le pays d'accueil qui fait le clandestin. Parce que c'est la même motivation. Je crois que la décision d'exil, elle est violente. Elle est douloureuse et donc il y a des plaies ouvertes. Déjà partir c'est violent, s'intégrer dans un nouveau pays c'est violent, parce que ce pays ne veut pas de vous, par nature. C'est toute l'histoire des humains, personne n'a été accueilli bras ouverts. Donc c'est une double violence qu'il faut continuer. Et soit vous essayez d'oublier tout, de faire oublier cela, mais ça ne marche pas, à cause du nom. Le nom du père est central, là, parce que c'est la mémoire. Donc il y a une espèce d'inquiétude existentielle sur quelle est la terre que nous avons sous nos pas. Alors déjà, quand elle tremble, ça commence mal. Et si en plus on part, alors l'identité est encore plus compliquée. Et on voit bien au travers de mon père que le problème de l'identité lui a été imposé. Donc il était écartelé. Entre l'identité française et l'identité de son passé sicilien. Et je crois que ça continue de par les générations. Je crois qu'il faut faire attention à cette question d'identité qui est centrale et avec sa composante multiple, complexe, trouble, parcellaire, qui se recompose avec le temps. Parce que au fur et à mesure de l'histoire,
on recompose notre propre passé. Et c'est ça qui est intéressant dans la démarche. Pour ne pas s'y enfermer, mais au contraire, permettre qu'elle crée quelque chose de nouveau. Le passé, on le met derrière. Mais il faut d'abord l'ouvrir, il faut d'abord le connaître, il faut l'accepter, le vivre, l'accepter pleinement, calmement, mais pleinement. Alors à ce moment-là, vous êtes libre. Si jamais un jour, ça je le sens très fort, je sentais qu'en France, ça ne me convient pas, j'ai toujours ce message. Tu n'es pas content là où tu es ? Va. Va chercher ailleurs. Personne ne t'oblige à rester là. Ça, c'est quand même une leçon formidable.